Bon, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Bonne année de vive voix. Et voilà, on va passer une soirée superbe tous ensemble sur ce quatrième King of the Hack. Attention parce qu'il a tout couru, ça a été bien gêné de la part de Neo Angel. Il y a quand même beaucoup d'unités des deux côtés, mais c'est Neo Angel qui prend l'avantage en gagnant sur un mesure grâce à ses autres notamment. Et pour lancer les Zerglings, parce qu'il n'y a que des Zerglings dedans, vous placez le point de ralliement sur l'unité que vous voulez, et là ça va direct mettre des Zerglings. Alors là vous allez me dire, mais comment on fait pour lancer carrément dans ces archontes? On va voir qu'est-ce qui va pouvoir se passer. Attention, regardez les archontes qui ont fait très mal. Au bout de l'ordre, les Broodlords qui ne sont pas tombés, ils sont tous avec très peu de points de vie. Oh là là, ça s'est joué à pas grand chose, il aurait fallu un seul archonte de sacrée démonstration de gestion de multifront à son adversaire. Regardez le Big Stalker qui permet d'éloigner les unités. Et pendant ce temps-là, c'est la Joga Bonito dans la B1 de Elvis. Il y a beaucoup de dégâts, il prend. Ouais, ce soir, défoncer King of the Hex. Ou pas. Ou pas. Gentlemen, alors j'ai pris Protoss, bon c'est un FFA, salut, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. J'ai pris Protoss parce que je trouvais ça marrant d'essayer un truc en FFA, on va essayer en direct. Alors après le pull 6 en FFA, essayez le rush double gate sur votre adversaire. Puisque là bien sûr l'adversaire ne peut absolument rien faire, tac j'en mets deux ici, j'en mets deux là, tac. Oh c'est bien joué, il sait qu'il va pas pouvoir défendre sa base et du coup il tente l'attaque dans la base de Bisiguti. Il sait qu'à ce petit jeu là il aura peut-être l'avantage. Bisiguti qui a relevé son dépôt, ça ne suffira peut-être pas, en tout cas la deuxième phase qui va... Je préférerais ZRT pour rien cacher. Je préférerais ZRT, alors moi je pense que tu te. Je pense que tu te dévalorises trop, tu vois. Non mais mec, il y a KO en fait. Oui, tu te dévalorises trop. Je t'ai vu jouer une fois dans le KO. Ouais, c'est ça là. C'était sanglant. Ouais. Quand même quelques airlings et je pense que Roll est en train de s'énerver au plus profond de lui-même. Il va falloir se rendre à l'évidence. Le Nexus va-t-il tomber? Attention, les Bendlings qui ont fait un massacre. Il n'a pas focus le Nexus ici. Et le GG de Roll, le joueur proto. Bien joué de sa part. Allez, Void Ray. Ah, il temporise pour le Colosse, il est obligé de toute façon. En plus, regarde sur la B1 de mon team. Ouais, il y a un petit run by. Jambon run by, comme on dit ici. Et le Colosse qui est obligé de son. Ah là là. Oh vache. J'ai testé la carte, donc c'est parti. Voilà, c'est parti. On est dans le chargement, donc qui vient de se finir. Et donc, vous allez voir, cette carte en fait propose plusieurs défis. Alors, le concept, c'est que voilà, vous avez deux ou trois unités, vous faites de la micro-gestion. Voilà la vidéo de présentation. Donc il n'y a pas de voix encore, mais vous avez vu en bas, il y a écrit une série de 30 défis contre 15 actuellement. Un commentaire Oh, j'y étais presque. C'est n'importe quoi. Est-ce que c'est une cassette? Oh mais putain, normal. C'est fatigant cette carte. J'aime bien me trémousser un petit peu avant de commencer. Alors bonsoir à tous, c'est le King of the Hack, le 12e, la 12e édition. Et ce soir, nous allons avoir un affrontement entre Il et Yogo. Certains l'avaient deviné évidemment sur Facebook avec mon petit teasing de Pro Gamer. J'avais dit eux, trois petits. Et en plus, ce qui est pratique, c'est que par exemple, si je veux chercher donc la Ganim, je fais ça, je ferme le shop. Ah, pas comme ça. Voilà, je ferme le shop. Et quand je le réouvre, j'ai encore le AGH, ce qui fait que si je clique dessus, hop, j'ai encore ma recherche mémorisée. Et là, cette porte. Donc voilà, vous avez vu, c'est une étendue assez vaste, une steppe ardente. On voit des petits minotaures avec des haches là comme il y avait dans Diablo 2. Là je vais crever très probablement. Hop, petite potion. J'ai un truc qui me fait aller en arrière là. Par exemple si j'ai un monstre sur moi. Mon dieu, bam. Ça fait une AOE et machin. Alors, je vais quand même quitter. Enfin, quitter. Il reste
Jean. Et le sprint de Zerator. Oh là 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 là. Oh, c'est infâme. Allez. Et voici le Zerkling qui a la balle en face. Il y a un mammouth. Oh, j'ai récupéré. Oh, zut. Aïe, il va falloir. Le tacle là. Et la récupération de Zerator. Et il passe devant. Et salut tout le monde, ici Zerator en direct de la bêta de Mists of Pandaria sur serveur coréen. Donc il y a écrit 18h15 ici en haut, mais en vrai il est 3h15 du matin en France. Et je vois pas comment j'aurais pu les tuer. Ah bah GG, voilà, vous voyez. Le GG qui arrive. Je vais quand même aller mater le replay pour voir qu'est-ce qui est arrivé à ces unités. Est-ce que je les ai tués sans faire exprès? Est-ce qu'il m'a foncé? Marteau de coups, j'en ai 100, je me casse, hop là. On va faire le destrier thalassien. Moi j'aime bien cette monture. Portail avant, donc là il va avoir un problème ce mec. Oh, il va avoir un problème ce mec. Attention. Oh, il a quitté la victoire de Zerator sur le Six Pool. Ah si. Mais Grubby qui a fait un peu pareil en fait. Théo et Grubby qui ont fait la même chose, qui ont fait beaucoup d'écho et qui vont se mettre à warper seulement maintenant. Vous voyez, 132 pop contre 120. Alors tout à l'heure en 13 minutes, on était presque à 200 pop pour TLO. Mais bon. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, lol, pour ce KOTH. Je compte sur vous pour dire à tous les gens qui veulent du League of Legends sur le chat qu'il n'y en a pas. Et je vous invite évidemment à leur dire pourquoi, puisqu'en fait. Alors, our clan is the true clan, no one to offer can change that. Donc là il est vénère, parce qu'en fait on l'a défoncé. Donc il dit ouais mais notre clan c'est quand même le meilleur. Donc là maintenant ils vont eux nous tester. Et salut les mecs, aujourd'hui le streaming c'est toute la journée sur ironsquid.tv de 10h à 22h. Alors j'espère vous y voir nombreux. Avec Pauvétude, Anos, moi-même, non on y sera pas trop mais... Oh GG, tu l'as mis dans le feu mec, maintenant il va pouvoir le réparer. T'es vraiment un malade mental avec tes cafards. Eh GG, vraiment énorme. Énorme. Attendez, peut-être qu'il va gagner avec ses trois cafards enterrés. Oh, peut-être qu'il va gagner, les gars. Il va réussir à tuer un VCS, peut-être. Il a tué un VCS. Oh, le suspense est entier, mesdames et messieurs. Il va peut-être faire quelque chose avec ce dernier cafard dans cet introne. Oh, il va y aller, il va y aller. Il va tenter de gagner la partie avec ce drone, mesdames et messieurs. Ou alors peut-être va-t-il attendre que toutes les unités s'empalent. Oh, GG. Oh, mais quelle déception. Je sais, j'étais d'une lenteur absolument atroce. Mais me voici avec mon donc mon barbare qui a up il y a pas trop longtemps. Donc voilà, je voulais vous montrer juste un petit peu le mode Inferno, vous savez c'est ce fameux mode. Je suis arrivé dans le salon, j'ai dit Gogo Fake DRG. Et le mec m'a écrit ça, vous voyez. Hop, il m'a écrit ça. Est-ce qu'un anglais aurait utilisé ce mot là? Je pense pas qu'un anglais aurait utilisé ce mot là. Et comme en français on dit démasquer. Il va pouvoir le lancer. Ah non, même pas. Oh là là, je pensais que cette bouillasse le gênerait. Mais en fait, on envoie le gros à clic des familles. Et on verra bien comment ça se passe. Normalement, ça devrait se passer très mal. Mais j'ai pas mal de roches, vous voyez. Donc on sait jamais. Ça peut toujours fonctionner. Regardez si ça marche pas. Impeccable. Impeccable ce mix. Mix totalement inconnu et pourtant efficace. Hop là, il y a du DPS. Il y a du DPS. Voilà, injection. En avant, attention, Elvis va tenter de faire la différence peut-être avec les infestateurs ici. Les blinks qui ont été faits, magnifique blink de la part de Mimikay qui a tué deux infestateurs instantanément. Elvis, ah là là, Elvis qui est vraiment pas bien. Bon, de l'autre côté, il y a peu de fortune qui ont été faits. Voilà, ils ont été faits maintenant avec le Blinkstalker juste derrière. Ah, Elvis qui va être très mal, très très mal pour contrer ici. Et le GGD peut-être. Mais là, c'est parti. Il faut amener tous les vigilants. Par contre, attention au Vortex. Ah non, il pourra pas Vortex parce qu'il a pas assez d'énergie. C'est bien dommage. On va bien voir qui va ressortir gagnant de cette bataille. En tout cas, là, il est en train de full fungal les unités. Les Stalkers, bah, il en reste pas mal, j'ai l'impression. Mais les Broodlords ne tombent pas si vite que ça, comme je vous l'avais dit. Et là, les Stalkers, regardez, il y en a de moins en. Non, sérieux. Donc, alors, comment ça va se passer? On va faire un petit peu, eh bien, de tout avec des invités de marque et de moins de marque. Alors là, pour l'instant, dans ma partie, j'ai quoi? J'ai AAA, BSK, LTLC, Babou, Chipolatac, alias Toro, Vision Elf, Meo Gifo, Pouilleux et Todd. Il nous manque donc une seule personne. Et il s'agit de Moment. Il faut que j'invite cette personne. Oh là, oh là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? 2 fois 50 000 dans la gueule. Ça fait plaisir. Alors moi, c'est pas du tout ce boss-là que j'avais fait.
Enfin si, peut-être. Aucun souvenir, c'est fou quoi. Comment vas-tu? Bah ça roule. Super, eh, c'est une grande chance de t'avoir ici. Alors quel est exactement ton poste? Comment tu te présentes à la communauté? Je gère l'équipe de Nadeo. D'accord, tu gères l'équipe de Nadeo, donc c'est vraiment le big boss qui dit s'il faut des pépitos ou pas. Donc là, bon, t'as perdu en juice parce que t'es pas très fort. On sent que t'es vraiment à fond sur le jeu en développement et pas trop en jeu. Ça fait plaisir. Ici qui ont foncé directement dans les Hydra, il va essayer de faire un maximum de dégâts sur les unités anti-aériennes et voilà qui est fait. Il n'y a plus aucun hydralisme et maintenant il peut se concentrer tranquillement avec ses mutas directement sur les roches. Ça a été très bien fait de la part de Bly et la base annulée. Et ça sonne je pense le GG, la fin de la game, il va pas pouvoir revenir. Après faut attendre qu'il s'en rende compte. Il y a quelques queens ici, il va tenter de les focus. C'est bon, 5 sur 5 je me barre. Ça a commencé cool. Ok, bon. Des murs en titane impassables, même les gros overlords s'y bloquent. Donc, voilà, ils ne peuvent pas passer. Et donc aucune unité volante ne peut passer, aucune unité comment pas mais, quatre, mais voilà, j'ai envie de dire. Alors là, t'es une maison invisible, regarde, hop, tu vas ici. À rater, là j'ai. T'as réussi à choper l'entrée? Marrant, hein. Hop, et voilà. Prenez vos races, les gars. Déjà que vous êtes bronze. J'espère qu'il y a quand même quelque chose à regarder. Et c'est parti, on lance la game, il est 21h50, il va rester 10 minutes pendant lesquelles on va faut te raser STP. Ok, ciao. Il m'a rasé, salut. Strength qui fait le premier kill, directement le deuxième kill. Oh, Strength qui est chaud, il est très énervé. Et le troisième kill pour les Millennium. Absolument incroyable, monstrueux, exceptionnel. Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour cette cinquième édition du Funcraft sur la Millennium 3. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On est quel jour? On est Cliffco, en Zerg et en Tyr. Alors bien évidemment, bien évidemment, nous avons un ZVZ à un partout. À droite, attention, il est touché une première fois, il élimine 7,2 mètres. Kowa contre Yippie en duel, 1v1, Yippie qui rate son rail, il va lui rester 7 secondes pour aller capturer le pôle. Attention mesdames et messieurs, il avance vers le pôle, et ici, Kowa qui est éliminé, 5 à 2, et Eclipse à 4. On parlait de la bêta d'Art of the Swarm, mais oui, c'est aujourd'hui le premier jour en Europe que la bêta est ouverte, et regardez, on est déjà en game, c'est absolument exceptionnel. Alors qu'est-ce que j'ai fait? En fait, il n'y a pas encore de unit test map, et si... On est 17. Et bonsoir à tous pour cette nouvelle émission sur la nouvelle programmation de la TV2. Beaucoup d'informations vont jaser. Dire c'est quoi? C'est dans la jungle, ça va être... Blitzcrank c'est bot. Ouais, Blitzcrank c'est bot. Wouah, c'est bon. Et il faut que tu fasses attention à Blitzcrank. Miss Fortune c'est un support. Il va falloir... Ah, attends, non, c'est un carnier. Ok. Donc, il va falloir... Seriously, what is that shit? Look at this, what is that shit? Seriously? Best gamer in the world? My ass is best gamer in the world. Tonight, 23 p.m. on Millennium, the first defeat. Et c'est des œufs qu'on peut trouver dans les sommets, voilà, à l'endroit de la carte, à droite, donc à la forêt de Jade, la zone de départ, regardez ici, sur cette petite île, voilà. Oh, what the fuck, avance. Là, on fait ça, on se lève, on va prendre un café. Faut venir en cac quand même. Hop, PDS. Donc là, c'est ce que je vous expliquais. Alors attendez. Oh, je me fais défoncer! Oh, j'ai pas regardé ma vie, je suis vraiment nul. Je me fais défoncer. Oh, je me fais défoncer. Nul. Hop, deux jalons, allez hop, ça c'est pas ce que j'avais. Oh, 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 ah, c'est pas vrai, y'a rien dans les overlords. Ok. Ah là là, Terranimba, on quitte la game. Terranimba.
Donc en fait, je vous montre, regardez, le lien que j'incante, je fais ça, et si je m'éloigne, paf, ça va stun un petit peu le mec. Alors évidemment, plus je level mon spell, plus ça stun longtemps. Nomade, paf, fait sa petite attaque. J'arrive bientôt à Smallville. Alors par contre, non, tu vas pas appuyer sur... Non, toujours pas. Voilà, très bien. Range tes pattes. Non, ça suffit. Très bien. Non, toujours pas. Ouais, très bien. Alors... Voilà. Ok. Oh ! Père ! Pas mal le Zeratul là. Ouais. Vraiment pas mal. Je déco. Pas de blague, pas de blague, ne marche pas en zigzag. Du lock est un. Du lock est. Du lock est. Du lock est un monde parfait. Merde. Allez. Bonjour à tous, ici Zerator. Eh, bonjour à tous, il est Lège. Ça va Lège. Ah, ça va bien. Ça va bien. Alors, comment ça va? Ah, bah, ça va bien. Très bien. Bon, il est 20h20. Ah, oh. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette soirée pour tester Far Cry 3. Je suis avec Shazzy. Ça va? Salut, ça va. Alors Shazzy, notre expert jeu vidéo. Aujourd'hui c'est moi, Zerator, qui vais tester. Ah mon père! Donc je te disais. Ouais, donc du coup, ça va? Ouais, nickel. Bah quand vas-tu et tout? Bon, attends, c'est deux déjà. C'est la merde, c'est la merde. Je sais pas ce qui se passe, Lège, je sais pas ce qui se passe. Ah pourquoi? Il y a des problèmes de son, je sais pas si ça vient. Il y a de l'écho, t'activer 2-0, on est bien. Allez! Nice! Et un peu de flash, on le sait! Je connais ça, ce petit cri là! Allez, meurs! Là, no life, et il y avait en plus le décal derrière. Oh, c'est nickel! Oh putain, je crois que j'ai vu un éléphant rose sauter dans le lac. Oh, no joke, je vais aller le pêcher. Les enfants, ne prenez pas de drogue. Son stun, donc ça c'est pas top. Et là, mais là, oh ça c'est super et bien passé. Plus Nashor derrière en dégâts. Voilà, ça c'est super bien passé. Plus Nashor en dégâts. Petit de MF, etc. qui tue directement Ezreal. Oh bon, c'est calme. Qu'est-ce qui se passe, botlane? C'est bien? Non, c'est ridicule. Oh! Tu lui mets des gros jambes dans la gueule. En fait, c'est toi qui l'as mis. What the fuck? Oh, tu peux pas.